deux minutes. Bonjour à tous, bienvenue au championnat de France moins de 19 ans de squash. On est en direct du Angers Playground pour le match pour la médaille de bronze féminine entre Yuna Loaec et Ninon Le Marchand. Je suis donc avec David Navarre. David, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, pour information, c'est Manuel Pacmar qui a remporté la médaille de bronze chez les garçons il y a quelques minutes en battant Baptiste Bouin 3 jeux à 0. Il est devant moi. Alors David, un peu de contexte sur ce match. C'était le même match la saison dernière dans les France Moins 19 et Ninon avait battu Yuna. Voilà, c'est ça. Pour la médaille de bronze. C'est ça, je crois que. Donc c'est un peu une sorte de revanche, on va dire. Bon, on espère pour Yuna. Je crois que dans leur dernière confrontation, Ninon a plutôt le dessus sur les dernières confrontations. Après, on va voir, c'est l'occasion pour Yuna d'inverser la tendance et de monter sur le podium. On va voir comment Ninon a digéré sa demi-finale, perdu un petit peu à la surprise générale contre Maya Senzi, qui a su prendre sa chance pour accéder à la finale, alors que Ninon était quand même favorite sur le papier. Voilà, on vous rappelle que Ninon et Yuna s'entraînent toutes les deux au Pôle Espoir et son Provence. Voilà, elles sont toutes les deux au pôle Espoir, donc elles se connaissent bien, elles s'entraînent tous les jours ensemble. Voilà. Alors dans ces cas-là, est-ce qu'on coach les joueuses quand ces deux joueuses qui se connaissent? Est-ce que les coachs vont intervenir entre les jeux ou ils vont laisser les joueuses? Alors y a deux coachs au niveau du pôle. Il y aura une solution de prendre chacun une joueuse. D'accord. Il y a une solution de... On verra ce qui se passe entre les jeux. On regardera, on verra. Après il y a la solution aussi de ne pas faire de coaching du tout. Donc ça après c'est les coachs du pôle qui vont décider, qui ont dû déjà décider bien sûr avant le match et en faire part aux joueuses. D'accord. Bien sûr. On verra ce qui se passe entre eux. Après le premier jeu. On va voir comment se déroule le premier jeu et après on verra au niveau du coaching comment ça se passe. C'est parti pour ce match pour la médaille de bronze au service Ninon Le Marchand. Ça commence par un rebond un petit peu chanceux au fond du court. Un petit écroulé vitre de la part de Ninon. Ça fait du bien pour démarrer un match. Non. Commence bien. Alors David, ton avis de technicien, tu pourrais un peu expliquer le style de jeu aux deux joueuses, définir un peu les caractéristiques. Ouais, c'est les deux joueuses sont droitières déjà, donc il n'y a pas d'opposition de bras. Et elles ont un jeu un petit peu classique, toutes les deux. D'accord. Avec ces deux joueuses qui sont pas très très puissantes. Qui avance, qui essaie de bien avancer dans la balle, notamment Yuna qui essaie toujours de mettre du poids, voilà, de frapper très, très fort dans la balle. Elle a une très bonne frappe de balle, donc elle essaie d'en profiter. Et Ninon est un peu moins puissante, mais elle a un bon jeu de précision. Elle a un bon gabarit, une joueuse assez grande, donc qui maîtrise bien le jeu de volée au milieu, en prenant bien le milieu du terrain. En essayant de distribuer
aux quatre coins du terrain, pour de maîtriser bien le thé. Qui prend l'avantage 5-3. Voilà. Ah, un beau tour croisé de revers Nick de la part de Yona. Voilà, c'est ce que je disais. Ça, ça va, c'est pas voilà, ça, c'est... Les échanges chez les filles sont plus courts que chez les garçons, donc on peut refaire son retard de 2-3 points très rapidement. Ouais. Un petit peu bête, elle a voulu attaquer du fond, un petit peu précipitamment, sur une balle basse. Bah, les échanges sont assez courts quand même. Pourtant, on est à 7-6, on a 7-6 minutes de jeu. Ça va assez vite. Ouais. C'est souvent, depuis le début du jeu, voilà, c'est 3-4 frappes. Quelques mauvais choix de jouer. Une faute. Donc ça montre quand même que les deux joueurs sont relativement tendus dans la main. Voilà, encore pareil, une faute de Yuna. Il n'y a pas eu forcément un échange assez long depuis le début du match. Et puis il n'y a pratiquement pas eu de points gagnants, c'est pratiquement que des fautes directes de la part des deux joueuses d'ailleurs. Voilà, un joli volet de la part de Ninon qui prend l'avantage et qui se donne... Qui a pas de jeu. Ouais. Une de sauvée pour Luna Loek. Mais il en reste 3. 17, pas de jeu pour Mignon le Marchand. Voilà. Pareil, hein, ça peut aller vite, hein, alors de bilan, même pas 10 secondes, là, 2 points pour Yona, qui ont monté 8-10. Jeu perdu. Et la troisième est la bonne pour Nijon le Marchand, qui prend l'avantage 1-0. Donc David, un jeu qui a été vraiment très rapide. Rapide et un jeu un petit peu bizarre, avec beaucoup de fautes des deux côtés. Ce match pour la place 3-4 chez les filles de ce championnat de France moins 19. Nous, le marchand mène 1-0. Premier jeu assez rapide, hein, qui a dû durer, je sais pas, 5-6 minutes, hein, pas plus. Ouais. Il y a eu beaucoup de fautes de chaque côté. J'ai pas vu ce qui se passait au niveau du coaching. Je peux pas dire si les joueurs sont. Je pense que c'est le père qui l'a coaché. Eh ben, il y a les parents des deux comtés sont là, donc peut-être que c'est les parents qui s'en occupent. Ouais, très beau lob de la part de Ninon. Qui est venu mourir à l'arrière du court côté coup droit.
Ouais. Belle amortie de Yona. Mouvement à égalité. Ouais. Superbe attaque de Mia Loeg. Voilà, on dirait que Yuna a décidé de d'attaquer un petit peu plus, de prendre un petit peu plus le jeu à son compte. Une demande de lettre. Lettre accordée. Elle a eu une interférence. Elle n'a pas pu jouer la balle. Logiquement, un lettre. Encore une faute. Faute de Ninon, mais la qualité de jeu a augmenté un petit peu. Oui, vous sentez qu'ils sont un peu libérés par rapport au premier jeu. Ouais, une belle volée. Belle volée Ninon le marchand. Bien posé. La balle de Yuna était vraiment au milieu, la volée était assez facile à réaliser, ce genre de joueuse. Ah, une faute de Yuna derrière, deux mauvaises balles d'affilée, une balle au milieu, un retour de service dans la tôle. C'est ce que je disais, la qualité de jeu est meilleure qu'au premier jeu. Et automatiquement, les échanges sont plus longs. Les joueuses vont. Oh, un petit peu stroke, certainement. Voilà, logique. Les joueuses vont un peu plus chercher. Yuna n'est pas contente, mais c'était un stroke logique. Coup facile à réaliser pour Yuna, pour Ninon là qui met la balle dans la tôle. Mais ça faisait un moment que j'avais pas vu jouer Ninon et je trouve qu'elle a pris en vitesse au niveau de son déplacement. Je l'ai vu jouer l'année dernière, elle était un petit peu lente sur le court. Et là je trouve qu'elle a pris en vitesse au niveau de son déplacement. Elle va plus vite, elle est plus véloce. Voilà, elle se déplace plus vite vers l'avant. Elle a fait un très très beau début de saison en remportant deux tournois européens. Ouais. C'est quand même la preuve de. Ouais, elle a pris en vélocité. C'est un petit peu ce qui lui manquait. Ah, c'est le jeu est serré, hein. 6-5 pour Yuna, les filles lâchent pas. Ah, c'est derrière. Un peu précipité là, cette volée de Ninon qui a voulu écraser la balle dans le nick alors qu'il suffisait de poser. Ouais, c'est franchement meilleur qu'au premier jeu, hein, le niveau c'est bien élevé. Les deux joueurs se sont libérés là. La qualité de jeu est bien meilleure. On rappelle qu'après ce match dans la finale entre la grande favorite et le temps du titre Ambra Lynx, donc Maya Sensi qui a créé la surprise en battant Ninon hier en finale. Grosse erreur de Ninon.
une erreur, on va dire une erreur de jeunesse, même si c'est une... c'est très difficile à voir d'où on est, mais disons que voilà, c'est une erreur. Ouais, mais c'est une erreur de la part de Ninon. Elle a pas à s'arrêter, l'arbitre n'a pas arrêté le jeu, surtout que c'est une balle facile à jouer où elle peut marquer le point derrière. Et elle a beaucoup d'expérience, hein, malgré son jeune âge, elle a beaucoup d'expérience, elle ne doit pas s'arrêter sur cette balle. Et voilà, elle doit jouer quand même. Un jeu partout. David de retour pour cette troisième. Encore quelques secondes avant la reprise. Ouais, là, c'est indécis pour l'instant. Espérons que la qualité de jeu va encore augmenter. C'était déjà pas mal sur ce deuxième jeu. Ce qu'on voit, c'est que les deux joueuses ont envie de monter sur le podium, hein, la troisième place. Pas de manque d'envie sur ce match. Voilà. C'est une vraie place, 3-4, une vraie place pour le podium. Et puis, c'est sûr que parfois c'est pas facile de se remobiliser après. Surtout quand on est favori en demi-finale et qu'on perd, c'est difficile à se remotiver. Ninon a envie de monter sur le podium malgré sa défaite d'hier. C'est bien, c'est très bien même. Ça montre un bon état d'esprit. On rappelle quand même que Ninon a seulement 16 ans, qu'elle a encore pas mal de temps. Elle a encore quelques moins de 19 devant elle. Et c'est une dernière joueuse qui a gagné d'ailleurs le titre de catégorie d'âge. Ouais. Changement de égalité. Ah, un double mur un petit peu chanceux de Nyuna qui tombe en plein dans le nick devant. Après on voit que Bon, depuis le début du week-end, on voit qu'il fait relativement froid dans la salle. Donc les cours sont froids et donc dès que les filles sur ce match-là arrivent à bien pousser l'adversaire au fond, on voit que souvent elles prennent l'avantage grâce à des bonnes longueurs. Sur ce genre de terrain froid comme ça, les changements de rythme sont très importants et changement de vitesse de la balle. Ouais.
Ouais, Yuna a pris l'avantage là, 6-3, on la sent bien, on la sent bien déterminée. Stroke logique pour Ninon. Et Ninon recolle à 5-6. Coup chanceux, un rebond au fond du court pour Yuna qui a été assez chanceux. Ouais, une belle volée. Superbe attaque. Yuna arrive à garder ses 3 points d'avance. Elle arrive à gérer le jeu. Voilà, elle intercepte à la volée. Ah, c'est elle qui prend le jeu à son compte en ce moment. Elle intercepte plus à la volée. Elle met Ninon en difficulté grâce à ses interceptions et ses posées et volées amorties. Comme je disais, le court est froid, donc une volée amortie bien posée est toujours difficile à aller chercher. Et savoir qu'elle est. Une balle de jeu sauvée pour le marché. Les filles en général n'ont pas l'explosivité des garçons, donc les balles courtes devant, ça c'est compliqué. Ouais. Tout ce qui est jeu avant, hein, un double mur dans l'atoll de Ninon, et qui donne. Qui prend ce troisième jeu et qui mène 2-1. Donc de retour ici au Angers Playground, 2-1 pour Yuna Loek dans ce match pour la médaille de bronze. Face à Ninon le marchand. Allez, on va voir un petit peu comment les deux joueuses vont gérer ce jeu là. Ouais, Ninon revient déterminée, hein, ça se voit dès le début. Elle prend un stroke, elle a voulu aller un petit peu trop vite. David, comme tu l'as dit avant, dans des conditions un peu froides, c'est un peu la première qui prend les risques. Ouais, mais après, c'est compliqué de prendre le risque aussi, parce que si on prend un mauvais risque, on va se faire une tôle ou de se faire contrer. Donc, il faut arriver un petit peu à gérer tactiquement ce jeu court et long. Voilà, en tout cas, Ninon a décidé de mettre plus de. Elle semble plus déterminée. Oui, même au niveau. On dirait qu'elle a décidé d'accélérer le jeu. Elle était un petit peu. Je l'ai trouvé un petit peu attentiste dans le jeu d'avant. Elle a subi. Oui.
elle subissait un petit peu les... Voilà, bon échange, bien dynamique. Voilà, elle finit. Ouais, bel échange. Voilà, elle a décidé de frapper un petit peu plus dans la balle. Peut-être aussi pour empêcher Niona d'intercepter à la volée, quoi, de couper les trajectoires comme elle a fait au jeu d'avant. Ouais, très belle volée. Oui, effectivement, elle est plus déterminée. Ouais, très belle volée. Elle rentre dans la balle. David, souvent les coachs me disent que chez les filles, ça peut vraiment changer de physionomie assez rapidement dans un match. Bien sûr, parce que déjà il y a l'aspect mental qui rentre en jeu, et puis comme on voit, hein, les échanges chez les filles sont plus courts, donc on peut gagner ou perdre des échanges de 2, 3, 4 échanges très rapidement. D'ailleurs, on l'a vu dans la demi-finale entre Guignard et Maé hier, où Maé a mené 2-0 assez rapidement. Ouais, et puis voilà, donc très bon double mur. Ouais, le côté émotionnel rentre souvent en jeu dans le squash féminin, dans le sport féminin en général. Décision me semble assez logique. Il y a une interférence. Oui. Tout ce qu'il y a de plus banal. Ouais, une belle attaque de retour de service. Service un peu flottant de la part de Yona. Un joli double mur, une amortie dans la tôle de Yuna. Joli double mur de Ninon. Le score est toujours serré. Les deux joueurs se tiennent à un point. Oh là là, c'est un point qui pourrait coûter cher. Oui, parce que c'était une volée relativement facile pour Yuna. Juste amener la balle. Ouais, elle avait très bien mené le point. Elle s'était donné l'avantage. Elle avait construit son point en plusieurs temps. Tout à fait. Et au moment de conclure, elle l'a mise dans la tôle, à vouloir la mettre tellement au ras du tin que une prise de risque qui était inutile à mon avis. Décision logique. Oui. Très peu d'efforts de la part de Yuna pour aller jouer cette balle. Donc un no-let, tout ce qui est plus logique. Ouais, un bel échange. Yuna qui a tenté pour ramener cette balle, mais c'était insuffisant. Ouais, superbe attaque de Ninon. Ouais, après, sur une balle, c'est très très belle volée dans le nick de Ninon. Après, le croisé de Yuna était très mauvais. Il était en plein milieu, hauteur d'épaule. Peut pas se permettre face à ce niveau-là de donner les balles comme ça sans prendre un gros risque de perdre le point derrière. Un petit peu pressé sur ce double mur. Ouais, bien joué. Mauvais retour de la part de Ninon, retour de service en plein milieu.
Et comme je disais, hein, avec ces terrains relativement froids, si on donne la balle à l'adversaire pour poser devant, c'est compliqué derrière. Toujours un point d'écart. Non, là, on est vraiment dans un moment de match. On est dans le money time, comme on dit. Donc là, c'est de la gestion tactique, c'est de la gestion mentale. En tout cas, les deux joueuses sont toujours complètement déterminées. Ah, c'est sûr qu'en termes de combativité, on ne peut pas dire grand chose. Les deux se donnent à 100%. Petite discussion de Ninon qui espérait un stroke. L'arbitre a décidé autrement, a donné juste un simple let. Ouais. Superbe le kill, comme on dit. Et Ninon Le Marchand qui se procure deux balles. Très belle frappe. Voilà, alors sur cette balle rentrante de Yuna, elle a une ouverture. Elle est bien rentrée dans la balle pour faire une belle frappe écrasée devant. Et voilà. On se retrouve à deux partout. Ce match pour la médaille de bronze chez les filles entre Yuna Loaek et Ninon Le Marchand. Et donc on aura un cinquième jeu entre Yuna Loaek et Ninon Le Marchand. On parle pour le dernier jeu. Jeu décisif. Les deux joueuses ont vraiment dominé la tour de rôle, donc très compliqué d'établir un pronostic. Bah là, bien sûr, là c'est difficile de faire un vrai pronostic. Hein. C'est souvent la joueuse ou le joueur qui a le plus envie. Il a les deux envies. C'est très important de très bien démarrer le jeu quand on joue un cinquième jeu. Mm-hmm. Le joueur ou la joueuse qui prend du retard dès le début se met déjà en difficulté. Donc le début de jeu dans un cinquième est très très important. Une très belle longueur de revers de la part de Ninon, bien collé au mur, très bonne longueur. Pour l'instant, on repart dans un peu dans un schéma comme au premier jeu. Ça va assez vite, mais bon, on voit que le score est quand même serré. Voilà, une faute, une faute, une faute. On sent que
Les deux joueuses sont partagées en fait. Elles se posent des questions. Est-ce que j'attaque? Est-ce que je garde la balle dans le court? Voilà. Ouais, une très belle longueur de la balle de Lyon là, sur sa frappe revers. Pour l'instant, les points défilent dans cette cinquième manche décisive. Pelina a marqué un point en glissant, mais a réussi à garder son équilibre et à placer son amorti revers. C'est la première à faire un écart de 2 points dans ce jeu. Après, comme on dit, ça va vite, oui, ça peut vite revenir. Ah ouais, ouais. Un bon choix tactique. 6-3. Ça commence à devenir intéressant pour la Bretonne, Luna Loaec. Ah, une faute sur une longueur parallèle qui prend le haut de la bande latérale. Voilà. Et David, comme dit, ça peut aller très vite. Ouais, une faute derrière un retour de service un peu précipité et revient à 6 partout. Voilà, encore une faute. Beaucoup de fautes beaucoup de fautes des deux joueuses dans ce cinquième jeu. Clairement, la tension de la fin de match fait sentir. Luna qui demande qui espère un stop. Ouais, parce qu'elle a accroché son adversaire au moment de la frappe. Mais l'arbitre a estimé que c'était en fin de geste. Donc il donne c'était plutôt dans l'interférence. Voilà. Ah ouais. Un fond étonnant, Yuna était débordée, elle a été remise dans l'échange. Elle en profite pour creuser à nouveau un écart de 3 points. Ah voilà, vous la précipitez, allez un petit peu vite en mettant un double mur. Rejoint un double mur un petit peu vite dans l'échange. Au lieu d'être patiente, elle menait 8-5. Voilà. C'est bien joué. Faut qu'elle continue à construire sans s'affoler. Luna Loaec qui se rapproche donc de la victoire dans ce match. 9-6. À 2 points du match. Ouais, et voilà. Longueur, voilà, 10-6. Pas de match pour Loaec. Voilà, une faute. Une balle de match sauvée par Ninon Le Marchand. Il en reste 3 pour Yuna. Eh ouais, plus que 2. 18. Parallèle. Très bon service, on a vu. Yuna est obligé de renvoyer un double mur et Ninon a bien accéléré sur la sortie du double mur dans la parallèle. Même schéma à gauche. Ah. Et une faute directe. Le match à Ninon Le Marchand. Et donc c'est Yuna qui montera sur le podium.
Donc une Aloec qui prend sa revanche car la saison dernière, dans le même match pour la médaille de bronze, nous on avait gagné 3-0, donc voilà. La suite est inversée cette année. Une Aloec en bronze et la finale fit dans quelques minutes.